Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus dans la partie qui concerne les fidèles, donc hiérarchie, laïc, vie consacrée. Et donc la question du compendium est la suivante: qui sont les fidèles? Eh bien voici une réponse très brève. Les fidèles sont ceux qui, incorporés au Christ par le baptême, sont établis membres du peuple de Dieu. Rendus participants selon leurs conditions propres aux fonctions sacerdotales, prophétiques et royales du Christ, ils sont appelés à exercer la mission confiée par Dieu à l'Église. Entre eux demeure une véritable égalité en raison de leur dignité de fils de Dieu. Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 871 à 872 du catéchisme de l'Église, qui est donc sous l'intitulé Les fidèles du Christ, hiérarchie, laïc, vie consacrée. Donc les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, participant à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l'Église pour qu'elle l'accomplisse dans le monde. Entre tous les fidèles du Christ, du fait de leur régénération dans le Christ, il n'existe, quant à la dignité et à l'activité, une véritable égalité, en vertu de laquelle tous coopèrent à l'édification du corps du Christ selon la condition et la fonction propre de chacun.